Allez, de retour sur les îles Gingembre. Au niveau des annonces, Penny qui veut un fruit de cactus. Vas-y. Ah non, il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on aille regarder la télé. Alors, je vais juste faire... Je peux pas ? Attendez, je peux pas... Si. On va rapprocher ça. Hop, de la sortie. Bim. Et du coup, on va rentrer à la maison. Oh, il y a tout le piment. Ah bah du coup, ça va peut-être être parfait. On va peut-être terminer notre quête, là, non? Ah non, il y en a qui n'ont pas été arrosés, je crois. Faudra attendre encore un peu. Oh, putain, attendez. Ne pas faire n'importe quoi. Ne pas ramasser l'ail. Putain, il nous en manque combien? Ah, on en a que 58. On avait planté plus que ça, non? Ouais, c'est pas grave. Donc ouais, on va rentrer à la maison. Du coup, ça, on le débloque quand on a ouvert ça, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Taram, param, param, param. Allez, je veux quitter. Parfait. Param, pam. Ah oui, on avait dit qu'il fallait qu'on mette des comment ça s'appelle, des appâts à l'intérieur de nos casiers de crabes. Faut qu'on s'en occupe. Ah, attendez, parce que du coup j'ai plein de choses à faire moi. Ah, j'ai Sandy le poisson globe et Penny le fruit de cactus. Penny, on est comment avec Penny? Bah on s'en fout alors, Penny on est à fond. Après ça peut nous faire un petit ticket. Bon, ouais, je sais pas, on verra. D'ailleurs, poisson globe, est-ce que j'en ai? Parce que je suis en train de dire, oui, je vais t'amener du poisson globe, mais... Je me souviens pas si on en avait. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon argent et on va se crafter le totem de télé... Enfin, pas le totem, mais l'obélisque de téléportation pour les îles Fougères. Gingembre. Tac, tac. Est-ce qu'on a récupéré deux en or? Non. On a tout récupéré sauf en or. Superbe. Tac, du coup les jades on peut les prendre. En plus c'est une journée de chance. Est-ce qu'on irait pas Ouais, on va peut-être faire une journée et on descend dans la mine. Taram, tam, tam. Attendez, parce que ça j'aurais pas besoin. L'arrosoir, le tamis, on s'en fout. La bague. J'ai la flemme de rentrer à la maison pour la ranger. Le piment, ça dégage. J'ai mon petit biscuit doré là qu'il faudrait que j'aille donner à un de mes animaux. 84 jade. C'est pas extraordinaire mais bon. Je voulais faire quelque chose. Poisson globe. À mon avis j'en ai pas. Hein. Ah si j'en ai deux. Ok. Du coup, je vais déposer ça ici. Il faudrait. Ah, j'ai pas de sucre. Parce que j'allais dire, j'aurais pu faire ma petite boisson au gingembre. Là, j'ai des bombes. Je vais les prendre. J'essaie de réfléchir si j'ai besoin d'autre chose, mais je crois pas. Je vais prendre un petit totem de téléportation. Et d'ailleurs, on va rééchanger nos petites omnigéodes contre les totems de téléportation. Oh non! Hop, ça va. J'ai pas regardé la recette. Faites-moi penser qu'il faut que je regarde absolument la télé avant de dormir ce soir. Je vais totalement oublier. Je vais totalement oublier la recette du jour. C'est sûr. Je me connais trop bien. Dun, 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 dun.
Alors, nous disions, hop, les totems et les escaliers. Je voulais prendre les 10, j'aurais dû prendre en fait les 10. Alors, je vais pas garder ça dans les mains parce que à tous les coups je misclique et j'utilise un totem pour rien. Alors, totem, je vais déposer ça ici. Il me restait 6 escaliers. Tac, je vais reprendre du coup de la vie. Je vais reprendre un truc comme ça. Je vais prendre les bombes. J'ai pas énormément de bouffe. Ok, je pense qu'avec ça, on devrait pas être trop mal. Je pense qu'on devrait pas être trop mal. Ah, attendez. Tac, tac. Ensuite, j'ai pas énormément de bombes par contre. Tac, tac, tac. J'avais plus de bombes à l'intérieur là. Ah ouais, non. Ok. Bon, bah tant pis. Allez, let's go. On y va. Objectif, autocaresse. S'il vous plaît. On ne veut rien d'autre que cet objet. S'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Vous pouvez me le donner. J'en suis certain. Merde, il y avait un cristal de terre. J'aurais peut-être dû aller le chercher. Stalarium, vas-y, c'est gratuit, on va pas dire non. Là maintenant, comme j'ai dit, on n'a plus besoin d'XP. Donc on s'en fout un peu. Seule chose qui nous intéresse, c'est... c'est les autocaresses. Là, ils nous... ça fait bizarre de dire ça comme ça. Hein. Après, si je le dis en anglais, c'est pareil. C'est pas fou. Bon, les jades. Ça, on dit merci. Ah, il nous faut plus de ça, là. Complètement naze ça. Après je sais qu'on n'a pas beaucoup de chance de tomber dessus. Bon, allez. Le biscuit, vas-y, on prend. Il y a des jades, je vais aller les récupérer. Voilà, bah parfait. Ah oh merde, il y avait une échelle. J'allais dire, il y a un diamant, je vais aller le chercher, mais je m'en fous. On s'en fout des diamants. S'en fout complet. Par contre, je vais aller récupérer ça. On sait jamais. Ça, ça donne des bombes. Là, il y a une échelle. Parfait. Putain, ça ressort de qualité. J'en ai plus besoin des arroseurs de qualité. C'est dommage, on en a enchaîné plusieurs là, mais...
reste plus grand monde. Il nous en reste plus de... Il nous en reste plus beaucoup. Il nous en reste plus grand monde. Faire les escaliers d'ici peu. On va devoir se démerder avec nos bombes. Allez! Vous venez de m'en donner des totems de téléportation. Allez, 6 niveaux. Allez, étage champ. Bon, les 5 boîtes mystères dorées, c'est cool. Après, comme j'avais dit, je pourrais peut-être aller les ouvrir. Parce qu'à l'intérieur, on peut avoir un... Oh non. Bon, allez, bah tant pis, on s'arrête là. Hein, parce qu'après, si jamais les étages infestés. Après, en vrai, il faut que, faudrait que j'arrive à récupérer de la pierre, moi. Ça par contre c'est cool. Merde. Je devrais prendre ça. En 3 coups ça nous donne 10 pierres. Ça c'est cool les petites jades. Après, je rappelle qu'il faut quand même qu'on continue à chercher les tessons prismatiques. Merde, con. J'ai pas... En fait, je vais pas perdre de temps à vouloir absolument aller chercher tout ce qui est ressources et tout ça. Que nous voilà, ce qui nous intéresse c'est descendre et trouver un maximum de coffres comme ça. C'est tout ce qui nous intéresse en vrai. Mais bon, j'en ai pas beaucoup. Chiant. Parfait. Et 9 niveaux. Parfait. Encore 5 boîtes dorées. Bon. Je préfère largement avoir 5 boîtes dorées à chaque fois. Plutôt que d'avoir des totems de téléportation ou autre connerie. Parce que ça, véritablement, j'en ai absolument rien à secouer. Surtout que je dois en avoir une chie à la maison. Bon, il y a un escalier déjà de base, c'est ça que vous êtes en train de me faire comprendre? Non, il n'y a rien. Ah oui, bien. Seul que je casse avec ma pioche, c'est là où il y a un escalier. Allez, escalier, trou, quelque chose. Il est 16h. Bientôt pu avoir notre boost de chance. Voilà, faut qu'on en profite pour trouver bon, un tesson prismatique. Aïe, on va pas non plus faire les gris à dire que c'est pas bien. Faut pas cracher sur des tessons prismatiques. Si on commence à cracher sur les tessons prismatiques, où on va? Normalement, je n'ai pas oublié qu'il faut que je regarde la télé en rentrant chez moi.
reste encore du temps avant que je rentre à la maison. Le pauvre crabe, il a rien demandé, ils se prennent des projectiles. Merde. Ok, on a vu le serpent là-bas. Une échelle, non? Merci. Peut-être faire attention à ma vie quand même. Allez. On va ramener un champignon violet juste ici. Pourquoi je m'emmerde à casser? Ouais, graines de brocoli, super. Pourquoi je m'emmerde à casser du cuivre et tout ça? J'en ai pas besoin. Ça par contre. De toute façon, ça va faire un gros boom. Allez, vas-y, pareil. Pas s'emmerder. On s'en trouve la sortie tout de suite. Encore un escalier, encore un étage de malheur. Parfait. Il y a énormément d'iridium. Ça fait un gros boom, on va prendre les onigéodes. Ah putain, je vais perdre mon boost. Enfin, je vais perdre mes boosts. Stop. On mange. Et café. Putain, mais il y a un trou là. 8 niveaux. Putain. Ok, j'allais dire. On a raté l'étage. Enfin, on a raté le dino qu'il y avait dans l'étage. Ça va. Il y a un dino juste après. Enfin, il y a un étage préhistorique juste après. Oh l'enfoiré! Bon, par contre, on se fait casser la gueule. Allez, viens là, la chauve-souris, dépêche-toi! Laisse la rapprocher de moi! Ah putain! Wow! Allez! Ah, puis cette saloperie qui tire là! Mais je peux même pas le viser! Ah, c'est bien et à la fois pas bien. Bon, vas-y, occupe-toi d'elle. C'est con parce qu'on descend quand même beaucoup hein. Il y a beaucoup d'étages qu'on arrive à esquiver rapidement. Et on a toujours pas trouvé ce qu'on est venu chercher. Allez. J'ai récupéré quoi? 2 tessons prismatiques là aujourd'hui.
escalier. Allez! Oui. 11 niveaux. Oh la vache! C'était pour voir. Parfait. Allez, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de salle là. Hein. Bon après on a pu le maxi boost. Ok, on enchaîne les étages comme ça où il y a juste à avancer. Bah écoutez, ça aurait été encore une déception de venir ici. Déception parce que je vous rappelle que le seul objectif de venir ici maintenant, bon, mis à part terminer la guilde des aventuriers, etc. C'est de trouver l'autocaresse, mais là... A tellement peu de chances de tomber dessus, faut dire. Ah putain, mais... Une échelle. Par contre, on va peut-être essayer de prendre des trucs qui en donnent de la vie. Il est 23 h. Je sais pas pourquoi j'ai mangé autant, c'est pas grave. Avec les coffres. J'aurais bien aimé en trouver un dernier. Peut-être vibrer encore une dernière fois. Oh. Allez. On va utiliser nos escaliers. Merde. Je me refoute exactement dans mon truc. Oh mais l'enfoiré! Bon il est minuit 10. On va pas se cacher. On va pas se cacher que c'est mort. Juste dégager ça. Ok, bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. On va déposer ce qu'on a récupéré ici. Tac, 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 tac. Du coup, on a utilisé beaucoup de bombes. Crystallarium, on garde. Totem, tout ça, on n'a pas besoin. Du coup, je vais juste reprendre les totems, les noix de coco, le gingembre. On va prendre un totem comme ça et on va retourner. À la maison, je pense que j'ai rien besoin de laisser ici. Et bien évidemment, je n'ai pas oublié qu'il faut que je regarde la télé. Tac. Voilà. Du coup. On a 25 boîtes dorées. On a récupéré un cristal de terre. 336 de pierre. En vrai, avec la pierre, je pourrais en refaire là des cristallariums. Ah, vous savez quoi, je vais en faire. Ça, iridium, et je sais plus ce que c'est qu'il fallait aussi. Il est où? Là. Ah, les piles. L'épipile, 61 piles. Hop. Du coup, pile, bois. Pierre, du coup, j'en ai plus que 12.
Les géodes, jade et tout ça, ça dégage là-dedans. Ça, bah non, plus qu'à tant pis. Ok, je vais reprendre. Hop, 4 jade. Ah, merde. Et vous êtes en train de vous dire. Est-ce qu'il va oublier de regarder la télé? Non, je ne vais pas oublier. Bien sûr que non. Putain, j'ai cru que j'allais utiliser un totem. J'ai vraiment cru que j'allais utiliser le totem de téléportation. Ok, bon, on va se coucher. Hop, la reine des sauces. Le gâteau rose. Compétence culinaire apprise. Je vais dégager à l'intérieur le gingembre. Faudrait qu'on récupère du sucre. Très bien. Oh, génial, il y a une fée. Qu'est-ce qu'on en a à secouer? Elle va aller où? Elle va aller sur mon café qui a déjà poussé? C'est la première fois qu'on a une fée, je crois, dans cette save. Je sais pas ce que c'est qu'il y a là. Ah, c'est peut-être des fruits anciens qu'on avait plantés ici? Je me souviens plus. Fruits anciens et je sais pas ce que c'est qu'il y a à côté. Du piment, myrtille, je sais pas. Bref! Oh, demain ça sera la pluie verte. Et par contre, c'est l'anniversaire du nain. Et on a encore beaucoup de chance. Du coup, le nain. Ah, bon, normalement on devrait pouvoir avoir ce qu'il faut là. Je vais tout reprendre. Là, on devrait les avoir, nos 5 dorés. Ben oui, regardez. Récupère tout ce qui est merci, tout ça. Pourquoi, je sais pas, mais. C'est là, c'est planté. On va récupérer. Encore un petit peu de piment. Ok, donc on a tout ce qu'il nous faut. D'ailleurs, j'en ai même plus que 5 sur moi. Hop. Ensuite, tout ce qui est myrtille et autres saloperies, ça dégage ici. Là, on a tout ce qui est noix de coco. Noix de coco, je devrais peut-être les ramener à un moment donné sur les îles gingembre. Les graines de brocoli. Là, les œufs dinosaures, bon, on va les transformer. Du coup, alors attendez, normalement, ça c'est à donner. Je vais prendre un thé de fruits étoilés et à la limite, pour le nain, une pâte de lapin. Ou alors, qu'est-ce que c'est qu'il aime bien le nain? Je crois que c'est tout ce qui est pierre précieuse, mais comme ça a pas de qualité, on peut pas avoir par exemple un rubis en iridium. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est. Alors attendez, je vais quand même regarder. Ouais, non, y a que Penny qui n'aime pas la pâte de lapin. Donc on va lui donner celle-ci parce que le nain. Il est deuxième le moins. Ouais, c'est ça. Donc là, on va peut-être passer à 10. On va voir. Alors, messieurs les animaux, comment allez-vous depuis hier? Je ne suis pas venu vous voir, bien évidemment. J'avais autre chose à faire, j'avais. Oh la vache. Oh le nombre de truffes! Il faut qu'on fasse des machines à huile. On va se retrouver submergé par les truffes. Les animaux n'auront même plus la place pour vadrouiller un petit peu dans leur enclos là. Regardez-moi ça. On va aller aussi ouvrir nos boîtes dorées. Parce que comme je dis, on a une chance d'en avoir à l'intérieur. Ça peut arriver, ce serait cool. Je sais que c'est très très rare, encore une fois, je le rappelle. De souvenir, c'était 0,3%. Mais bon, c'est toujours mieux que. C'est toujours mieux que 0,0. Ok. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que je récupère pas énormément de laine. Merde. Ta-dam. Alors, les truffes. Ah merde, j'en ai même pas une partout. J'en avais peut-être. Enfin, j'en avais raté du coup.
Bon, je les ramasse pas, hein, les trucs, c'est bon, je les ai posés. Le lait. Encore une fois, j'en ai une grosse, grosse, grosse quantité. En fait, je peux très, très vite me... Merde. Je peux très, très vite me faire submerger par les quantités, quand on regarde. Donc, par exemple, si je décide de pas venir pendant 4 jours... Je pense que ça risque d'être problématique. Bon, je vais prendre les 10 là. Merde. Allez. Ok. Bon, les dinos. Merde, on va laisser tomber. On va déjà placer ceux qu'on avait récupérés. De toute façon, canard et tout ça, je vais en récupérer. Les poules, je vais en avoir. Ça, on va tout prendre. Tac. Non. Voilà. Et du coup, chez les poules. Voilà. C'est ce que je craignais un petit peu. Attendez, je vais juste ranger. Merde. Ah, mais du coup, attendez, j'ai ça aussi. Ce que j'avais récupéré. Alors, je sais pas de combien je vais en avoir besoin. Je vais en prendre un peu. Voilà, parfait. Ok, très bien. On va redéposer ça à l'intérieur. Et du coup, on a récupéré beaucoup de choses aujourd'hui. Se faire de l'argent. C'est ce qu'on veut. Et de toute façon... alors, attendez, la pâte de lapin en silver, je vais la laisser là. Et tout ce qui est le reste, on va pouvoir revendre. Normalement, on est bon. Non! J'ai vendu la mayonnaise de dino. Oh, fais chier. Je suis con. Je vais en récupérer aujourd'hui, c'est pas dramatique. Je sais. Je vais aller voir le nain. Je vais prendre mes boîtes dorées également. Ah putain, mais j'ai pas donné les biscuits aussi au... Bon, je vais le prendre sur moi. Je vais ouvrir la noix de coco dorée aussi. Parce qu'on peut avoir quelque chose de sympa à l'intérieur. Puis on viendra chez nous et on ira revoir nos animaux. Alors, monsieur le nain, je t'ai pas beaucoup parlé hein, depuis le début. Ah, et on y est presque. Allez, on va aller voir Clint. En espérant qu'il soit bien chez lui. Il est chez lui. Je vais redéposer ça. Et du coup, on est parti. Oh, bien! Allez. Non, vous savez ce que je veux. Non, pas ça. Oh. Oh putain. Cerisier. Je m'en fous des boîtes. Ah, on va pas en avoir un seul. Qu'est-ce que c'est ça? Un abricotier? Des graines de radis? Vraiment? Oh, c'est d'une tristesse. Deux
sucre d'orge magique. Je crois que c'est presque aussi rare que l'autocaresse, donc j'aurais préféré avoir deux autocaresses, moi, clairement. Mais même pas un. Allez, merci bien l'ami. Allez, bus. On a récupéré tellement de merde. Attendez, du coup, je vais reprendre ça qu'il y a ici. Que ça ne m'emmerde pas. Je vais aller planter les arbres à l'intérieur. Ta-da-dam. Ah bah j'ai déjà mon ail à récupérer. Ah bah j'ai les betteraves aussi, on va pouvoir faire la quête là. Attendez, combien on va récupérer de d'ail, à votre avis? Trois, ça va. Tac. Hop. Bon, du coup, on va ranger tout le bordel qu'on a récupéré. Alors, je sais pas exactement où ça va. Graines de radis, c'est en été, oui. Graines de brocoli. Tout ça, on a des bagues, on a un t-shirt. Est-ce qu'on met le t-shirt? Allez. Nous sommes quelqu'un de très mystérieux. Ok, bon, la bague, on va la dégager directement là-dedans parce qu'on n'en fera rien. Le t-shirt, pareil. Tout ce qui est recette, ça dégage à l'intérieur. Le café, bah, de toute façon, le café, je vais le ramener. Bon, la lame, là, on s'en fout. Merde! La lame là on s'en tape. Bon du coup allons voir nos animaux. Et que je ne vende pas le truc de dinosaure. Par pitié. Ok, il y en a là. Faut au moins que j'en garde une. Putain, qu'est-ce que je fais avec ça dans mon inventaire? Un peu plus et je balançais une bombe là et je devais refaire toute la journée. Bon, il fait chier. Ne jamais avoir une bombe dans son inventaire si vous n'êtes pas. Enfin si vous êtes chez vous. Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas cette erreur. Ça s'est vite arrivé quand même. Voilà. Donc là, on va se faire du pognon aujourd'hui. Moi qui vous le dis. On va ramasser les truffes. Comme j'ai repassé dans le. Dans l'enclos, enfin dans la grange. Ah mais j'ai plus rien, d'accord. Par contre je suis en train de me dire. Alors attendez, si on regarde agriculture. Donc ça, ok. Extraction minière, les chances de trouver du charbon double. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de changer et de prendre les géodes? Ça, je sais pas ce que c'est les autres en cueillette. Bon, la pêche, de toute façon, je pêche pas. Et puis bon, il y a peut-être juste celui de la cueillette. Cueillette et extraction minière à changer. Parce que extraction minière, je sais plus ce que c'est l'autre. Cueillette, pardon, je sais plus ce que c'est l'autre.
Tac. Non. Parfait. Tac. On va donner des petits biscuits. Ah, t'en as déjà un. T'en as déjà un. Ok. Récupérons tout ce tissu. 20 tissus, je crois que ça vaut à peu près 500 balles, si je dis pas de bêtises. Évidemment, il nous redonne des truffes maintenant. Bah oui, bah continuez, c'est bien. Je vais peut-être aller directement donner les betteraves et tout ça au maire, et puis je m'occuperai aussi du bundle à remplir, à compléter. Avant de faire la connerie de revendre les objets. J'aurais dû passer un petit peu au désert aussi pour déposer mes trucs, mais tant pis. Oh, Penny, elle voulait un fruit de cactus. Ah, mais j'en ai pas sur moi. Oh, la flemme de retourner chez moi, hein, Penny, je suis désolé. Ah bah si, faut que j'aille au désert. Bon, à la limite on va y aller. Bon, ça c'est des quêtes qu'on a déjà fait, on va pas s'emmerder à les refaire. Taran taran tam taran taran. Le bundle et puis on va au désert. Voilà, ça a été relativement rapide. En quoi, une dizaine, quinzaine de jours, on l'a fait, ce bundle? Tous les autres sont partis, sauf moi. Maintenant, je peux rentrer à la maison, moi aussi. Merci, merci. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison entre moi et aussi. Au revoir, monsieur le Junimo. Quelque chose de bien va arriver bientôt. Allons bon. Eh ben, il me tarde. Ok, allez, on rentre à la maison. On va vendre plein de saloperies. Ah, du coup, j'avais un peu plus de betteraves parce que j'en ai une là. Bien étrange. Quels sont les prochains événements? Alors, il y a l'anniversaire de Willy. On est comment avec Willy? On est pas mal, donc on n'aura pas besoin du thé de fruits étoilés. Est-ce que je donnerais pas des pâtes de lapin quasiment tous les jours à notre ami Sam? Enfin, deux fois par semaine, quoi. J'avais dit, faut que je revende. Tant pis, du coup on va utiliser un totem. À la limite. Ouais. J'en ai pas mal. Tac. Je vais prendre aussi 10 lingots d'iridium pour échanger contre la recette. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'on peut. Bah en vrai, est-ce qu'on ferait pas. Est-ce qu'on achèterait pas des méga bombes avec les minerais d'iridium? Attendez, je vais regarder un truc. Marchand désert. Alors, stock permanent. Les méga bombes contre de l'iridium ou alors des bombes contre du quartz. Du quartz, j'en ai pas énormément. Mais les méga bombes, 5 minerais d'iridium pour une méga bombe, en vrai.
Qu'est-ce que je vais en faire de mon iridium? J'en ai 200 et quelques, je vais continuer de façon d'aller dans la mine, donc autant les utiliser comme ça. Je vais pas les revendre ou quoi que ce soit, donc triple dose d'expresso contre un diamant. Vas-y, comme ça j'ai les triple doses d'expresso tout le temps. Et après, alors stock journalier. Le lundi, du foin contre des géodes omnis. Non merci. Ouais non, le reste après on s'en fout. Eh ben écoutez, on va partir comme ça, hein. On va récupérer des méga bombes et puis comme ça, on sera pas embêté avec les bombes classiques à récupérer. Voilà, comme ça on pourra descendre comme on veut. Hop, les triple doses expresso, on l'a dit vendu. J'aurais peut-être dû garder des diamants, parce que du coup. Hop. Le totem. Et le reste, on est bon. Mais ouais, du coup, pour le nain. Le nain dans la caverne du volcan. Il peut nous donner quelque chose d'intéressant en échange de quelques diamants. Ça, on dépose. Et du coup, bah voilà. Après, 107 triple doses expresso. En vrai, je vais quand même en garder sur moi. Regardez 40, c'est bien déjà 40. Hop, le reste on s'en fout. Est-ce que je prendrais pas un peu de d'anguille épicée pour la caverne du désert? Sinon je pourrais échanger des rubis contre ça. Vas-y, je vais en prendre 10 avec moi. De toute façon, je vais pas en utiliser 50 à chaque fois. Hein. Puis je vais pas aller non plus au désert tous les jours donc. On récupère, même si on avait dit que bon, ça va pas nous être très utile. Ah merde, j'ai pas pris. Oh, fait chier. Ah ouais, relou. Relou, relou. Parce qu'après, en plus, c'est une journée de chance, donc j'aurais pu aller au casino. Oh Léa. Oh, bah elle est disparue. Tac. Alors attendez, qu'est-ce que je suis venu rechercher? Ça. Et du coup, j'y retourne. C'est bien, on utilise des totems pour rien. Ah bah non, parce qu'il... Ah putain, mais je suis con, il va falloir que je revienne chez moi en fait. Oh bah tant pis, je réutiliserai un totem. C'est pas grave. On fait des allers-retours. Ah putain, du coup on a foutu le jukebox devant. Allez! On fait la petite kiff hein, comme ça de se téléporter de zone en zone. Allez, fous-moi le camp, toi l'affreux! Du coup. On va en acheter deux. Alors attendez, je sais plus c'est combien qu'il faut. Il nous faut. Alors, les feux d'artifice, on s'en fout. Papier peint, revêtement. Putain, il est cool le revêtement du sol là. Du coup, il nous faut 10 000. Je crois que normalement, on a vraiment de la chance là. Donc, ça devrait être rapide. Pas rapide. Je sais pas si je devrais miser 100. J'ai un peu
peu peur de miser 100, je vous avoue. Ok, deux cerises. On peut pas... Ah non, on peut pas accélérer le truc. Bon, allez. Ça y en a marre. Parfait. x5. Vous allez voir qu'on va reperdre tout. Ça va être génial. Oh, dommage. Le x120, il aurait fait plaisir. Allez, on a récupéré 300. Putain, faut avoir 10 000. Non, mais ça va être... En fait, il faudrait tomber sur un gros coup de chance. Oh, on était presque. On avait presque le diamant, le x1000. Oh là, on avait presque le x30. Vous inquiétez pas, on va se refaire. C'est comme ça que ça marche au casino. Bon, après, on est bien, on est parti avec 200. Ah, putain, le x200, encore une fois, il aurait fait plaisir. Double cerise, ok. Oh putain, le x30, on aurait bien aimé encore! Bien, le x5. On augmente, vous en faites pas. Par contre, je crois que j'ai jamais eu... je crois que le plus que j'ai eu, c'est les 3 melons. J'ai pas le souvenir d'avoir eu autre chose, genre les 3 cerises ou les 3 diamants ou les 3 étoiles. J'ai vraiment pas ce souvenir-là. Combien, 10 000 qu'il nous fallait? Ça va, on est à 2500, on a bien avancé. Il a failli y avoir les 3 cerises encore. Il suffit d'une grosse, d'un très gros lot et on est bon. Les 3 melons là, regardez. 100 fois 200. 2000. Ouais, la cerise, on s'en fout. Allez, donnez-nous un gros lot. Même si c'est que les 3 truites arc-en-ciel, c'est pas grave. C'est très bien déjà. Et les 3 panés x5. Bon, on augmente, c'est ça qu'il faut se dire. Doucement mais sûrement. Je rappelle qu'on a démarré. Oh! On est riche! C'est la première fois que j'ai vraiment les 3 diamants. On a gagné combien là? 100 000! Oh là. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce pognon? On pourrait même acheter ça. Le revêtement de sol. Attendez, c'est combien le... L'épouvantail, c'est 10 000. Est-ce qu'on achète le revêtement de sol? Parce qu'après, de toute façon, qu'est-ce que je vais acheter d'autre? Rien. Y a rien d'intéressant à acheter. Vous savez quoi? Je vais aller jusqu'à... Jusqu'à 11 000, du coup. Comme ça, on achètera le revêtement de sol. Il suffit juste de tomber sur les étoiles, là, x2500, et on n'en parle plus. Et là, on va tout perdre. Mais non, regardez. Tout va bien se passer. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Mais what? Non mais c'est fou ça. Vous avez vu cette chance? Je peux même me payer le papier peint. Ah, attendez, on va déjà acheter ce qu'on voulait. Hein. On va acheter ça.
Bah du coup non, je vais acheter ça et ça. Hein. Et il nous reste encore 144 000. Qu'est-ce que j'en fais des 144 000? Je peux pas acheter le papier peint là, il est dégueulasse. Je peux acheter le lit double moderne. Voilà, on dormira dans un beau lit avec le chapeau haute forme. Vas-y. Non mais regardez, bah je vais rien acheter en fait. Ou alors je peux acheter plein d'épouvantails. Non bah tant pis. Je garde mon argent. Je sais plus ce que c'est ça. Cadeau 76 jours, 162, terrain défriché, objet fabriqué, repas cuisiné, déchets recyclés, monstres tués, etc. Okay, on s'en fout. Eh bien écoutez, cette chance inouïe, c'était inattendu. Vraiment. Et ben voilà. Bon bah ça valait le coup de revenir ici. On est devenu riche. Dommage que c'est dans une monnaie pas aussi intéressante que les pièces d'or. Dommage, dommage, dommage. Du coup, bah attendez, moi le chapeau haute forme, je vais le mettre. Voilà. On n'est plus aussi mystérieux qu'avant, mais. Tac. Du coup, je reprends ce lit. Et je pose ce lit. Est-ce que je peux le jeter? Oui. Le papier peint. Comment on fait pour le mettre? Comme ça. Voilà. On a mis ça dans une pièce complètement random. Où il n'y a rien dedans. Du coup, alors, attendez. Alors c'est combien celui-là? Le 3. On va le mettre là. Alors je sais pas lesquels il me manque. Lequel il pourrait me manquer de... On n'a pas un endroit où ça nous le dit? Je crois pas. Un truc à déposer ici. Du coup, la betterave. Déposer ça là. La noix de coco ici. Et le totem de téléportation là-dedans. Ok. Eh ben écoutez, très bien. Essayez de réfléchir si j'avais d'autres trucs. Je pourrais peut-être commencer à ramener en fait tout ce qui est ingrédients pour les recettes. Prendre, faut que je m'occupe de ça. C'est la pluie verte et le marché Joja va se transformer en quelque chose, mais quoi? 84 000 balles, 85 000 balles, très très bien. Allez, une pluie verte s'est installée dans la vallée. Bon, est-ce qu'on va récupérer tout ça ou pas? Parce qu'après, en vrai, putain, par contre, ils m'ont planté, ils m'ont foutu des arbres partout. Oh là là. Après, de la fibre, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je sais que j'en ai besoin pour du craft, mais je sais que j'en ai. Attendez, est-ce que j'avais pas construit la... Ah non, je l'avais pas construit. En fait, je peux les faire maintenant. Pourquoi je les ai pas fait? Et mousse, je devrais avoir assez là. 333, je vais pas être emmerdé avec ça.
bonjour à tout le monde quand même. Voilà, c'est terrifiant à l'intérieur. Ok, faudrait qu'on en refasse hein, de ça. Mais oui, je sais pas pourquoi j'ai pas fait les statues. Plutôt. Allez. Pourquoi y a une graine d'érable ici? Les poulets. Messieurs les cochons. Bien à retourner un petit peu sur les îles Fougères là. Gingembre. Le lait. Bim. C'est vrai que je dis pas bonjour à tout le monde. Après là, ils sont à fond. Allez. Mais non, je veux pas manger. Bah oui, évidemment. Qui est stupide. Bon, c'est pas grave. J'ai pas d'autre fin, non. Allez, mesdames les poules, on se pousse et on me laisse m'occuper de vos œufs. Voilà. Du coup, je pense qu'on va y aller. Hein. Je vais peut-être me fabriquer les statues. Alors, déjà, il y en a une. Il faut de l'iridium. C'est pour la statue du nain. Ça, on va la garder avec nous. Et l'autre statue. Moussev. Oh putain, 999 pierres. Ah oui, non, mais c'est mort. Oui, non, mais il n'y a même pas, à réfléchir. Tac. J'ai plein de merde à déposer dans les coffres, évidemment. La graine de machin truc bidule, là, ça dégage. Hop. Vendre. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, aller sur les îles Fougères. Gingembre. Ah, mais est-ce qu'il... Oh, putain, attendez. Ça se trouve, il va pas nous... Il va pas pouvoir nous emmener... notre ami Willy. Bon, elle, elle en a rien à secouer. Pour elle, c'est pas dangereux. J'espère qu'il va vouloir nous emmener. Par contre, j'aurais dû... J'aurais dû placer des trucs à l'intérieur. Chaque fois je le dis, faut que j'y pense.
Chaque fois, je n'y pense pas. Bah si, il est là, regardez-le. Allez, viens, on va au soleil, Willy. Regarde, c'est quand même mieux ici. Oh bah alors. Pas très bien. Je pense qu'on va se... on va s'occuper de pêcher. Ah bah non, putain, on a ça à récupérer. Du coup, mon melon n'est pas prêt. Par contre, faut que je fasse attention si jamais... Bon, non, mais c'est... voilà. On avait largement ce qu'il fallait. Bah tant pis, hein, notre culture de... enfin, nos cultures de piment, elles vont rester là. Ah, attendez, je voulais... alors, je vais déjà reprendre ça. Et je pense qu'on va aller pêcher. Je vais aller planter le tarot ici. Voilà. Et on va passer un peu de temps à pêcher. Les poissons qui nous manquent. Récupérer quelques coffres s'ils se présentent. Hop, le discus bleu. Et de 1. On pourra pas... oh. On pourra pas aller pêcher le dernier. Mais on n'a pas encore accès. Là, notre coco doré, très bien. Je suis pas allé dans le bateau d'ailleurs. On va y aller. Ok, méduse de l'océan, on s'en tape. Qu'est-ce que c'est que ce poisson là qui s'énerve autant? Un poisson globe. On se calme, l'ami, on se calme. Oh, foire, il nous a fait la fin du descend. Encore un poisson globe. C'est pas ça qu'on cherche, c'est le poisson... ah, j'ai plus le nom. Je vois la tête qu'il a. Il est un peu orange et blanc. Poisson. Poisson papillon. Je sais pas si c'est ça le nom. Ça, c'est tranquille comme poisson. Ah bah, voilà. C'était ça, le poisson pavillon. Enfin, je vais aller dans le bateau avant d'oublier. Je sais qu'il y a des... il y a des noix dorées à récupérer en pêchant. J'ai pas spécialement envie de m'embêter. Ah putain, attendez, je récupère de la pierre. J'ai pas énormément de caillasse à casser ici, mais... j'ai entendu. Par contre, vous allez trouver où c'est. Il y avait un endroit où on pouvait utiliser notre... ah bah c'est là. Allez. Comment ça? Notre tamis. Faut que je fasse attention à pas les ramasser. Merde.
crois qu'on a une quête à réaliser. Du coup, ah putain, il m'en faut 20. J'en ai 8. Bah du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Excusez-moi. Bim. Ça, du coup, je peux déposer là. Et puis, bah écoutez, ça, j'en ai besoin que d'un seul. Bien le bonjour, Bistounf. Ça va bien. Et toi? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Étrange. On va lui donner ça, puis on va nettoyer la plage où il y a les fragments d'os. Notre deuxième bague porte-bonheur. Oh, le petit trésor d'artefact. Il est directement revenu, il est où? Ça ne s'arrête plus! Ça, l'avantage de l'avoir amélioré en iridium. Merde. J'ai même pas prêté attention à tout ce qu'on avait récupéré. Ça n'arrête jamais. Raté. Encore un petit trésor d'artefact. Un peu d'or. Pas de bague de chance. C'est pas grave. On va récupérer quelques petits trucs à déposer ici. Ah mais non, la queue on l'avait déjà donnée. Ok. Eh ben écoutez, très bien. Du coup, je vais rentrer. On va rentrer à la maison. J'ai rien d'autre à faire ici. Parce que ça,
Ça, j'en ai plus besoin. J'ai même pas besoin de les garder sur moi. On a trésor d'artefact. Ah, j'ai quelques tubercules de tarot qu'on peut aller planter. Puis après, on pourra rentrer à la maison. Du coup, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les... J'ai le piment. On a récupéré un petit peu de caillasse. C'est pas non plus extraordinaire, mais bon. On prend... est-ce que j'ai des trucs à laisser ici? Noix de coco. Et voilà. En vrai. Le reste, on s'en fout. Alors demain, je sais qu'il pleut, il y aurait la quête à faire. Où faut récupérer les différentes pierres précieuses. Au nord, sud, est, ouest. Cristal de terre. Ça nous permettra peut-être de faire du craft. Alors attendez, c'est à qui qu'il faut donner ça là? Ah, faut les expédier seulement. Ah oui, mais non. Ah bah écoutez, je suis désolé, c'est une quête hein. Après, c'est pas non plus le piment qui m'a... Ah putain, fait chier. Ah, je suis obligé de la faire, c'est une quête. Ah, ça m'emmerde parce que du coup, on va avoir le piment en expédié. Ah écoutez, tant pis, hein, je vais le faire, c'est une quête, c'est pas comme si je le faisais délibérément. Parce que dans tous les cas, je suis obligé d'avoir ça pour avancer. Parce que du coup, ça fait partie des quêtes qu'il faut, qui vont nous permettre de récupérer du craft. Et bah écoutez, tant pis, hein, je vais expédier tout pile sans piment. Ça on dépose à l'intérieur, ça aussi, ça aussi. Noix de coco dorée. Là-dedans, bim. Tout ce qui a pas et tout ça, ça nous emmerde. On va faire ça, bim. Je vais faire en sorte de gagner le moins d'argent possible. Et donc là, ça fait 24. Ok. Pas. On va déposer ça là-dedans. Enfin, les œufs, c'est pareil. Bon bah écoutez, première fois où on... Ouais, où on va récupérer de l'argent grâce à ça, et en tout cas on va expédier autre chose que de la bouffe provenant des animaux. Voilà. Écoutez, tant pis. C'est pas un drame. Bonjour le chat. On termine la quête. On a gagné combien avec les piments? On a gagné 4002. Après c'est plus que du coup maintenant ça va s'afficher dans la liste des choses qu'on a expédiées. C'est plus ça qui m'embête que l'argent qu'on a gagné. Parce qu'au pire les 4000 balles je serais allé dépenser ça, j'en sais rien moi. J'aurais pu acheter quelque chose et le jeter. Mais bon. Tant pis, c'était pour la quête. Et du coup, nous sommes arrivés au 24e jour de l'été. C'est l'anniversaire de Willy. Mais malheureusement, on va devoir se laisser ici pour aujourd'hui. Pour cette petite session. Bah écoutez, on aura bien avancé. Il faut maintenant qu'on gagne un maximum d'argent. Il faut qu'on fasse au mieux pour que tout ce qui provient de nos animaux soit au maximum rentable. Qu'on gagne un maximum de profit. Donc peut-être continuer à construire des machines à huile, etc., etc. On verra bien. Bref, et bien écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de journée. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !